Une femme, une jolie jeune femme, lumineuse, tendre, aimante, apparaît dans une lumière blanche. Elle porte un enfant, elle a mis au monde un enfant. Cet enfant, c'est Jésus. Cette femme, c'est Marie. Elle est venue à notre rencontre. Elle a reçu de Dieu cette mission d'écraser la tête du serpent. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Cela fait 150 ans qu'elle se bat pour nos âmes. Elle a commencé à la rue du Bac. La femme écrasera la tête du serpent. Cette femme, c'est Marie. Elle est humble, tellement humble que dans la Bible, il y a très peu de phrases sur elle. Elle est discrète. Le combat entre la femme et le dragon a déjà commencé. Marie a déjà gagné. Tout est une question de temps. Plus les hommes se convertiront rapidement, plus la victoire se rapproche. Le cœur de Marie est déjà victorieux. Je vous en prie, convertissez-vous, arrêtez le massacre, ne regardez pas le mal, ignorez-le, ne regardez pas les péchés du monde, les péchés des autres. Vous, prenez en main votre vie, décidez-vous à devenir saint. Être saint, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas non plus être brûlé vif, ce n'est pas non plus être égorgé. Il existe une sainteté ordinaire, où l'on vit sa vie normalement, sans rentrer dans les ordres. Une vie simple, normale, avec un travail, des amis, des voisins, une femme, un mari, des enfants, et où Dieu est à la première place dans sa vie, et où la prière est permanente. Cette sainteté, c'est celle que Marie veut pour vous. Vous n'aurez pas les honneurs, pas la richesse, pas le pouvoir. Marie vous protégera. Il y aura des souffrances, des bonheurs, des joies. Vous jeûnerez en cachette, vous prierez en cachette, vous irez simplement à la messe. Vous aurez une vie simple avec Dieu et vous participerez à la victoire de Marie. Et ainsi vous sauverez le monde. Montez dans le bateau de la victoire avec Marie. Vous trouvez cette vidéo géniale, plutôt sympa. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la photo ronde. Sinon, vous pouvez voir environ 200 vidéos en cliquant sur le lien 200 vidéos.